Let's go! Ciao à tutti! Pour les nouveaux, je suis Théo, le powerlifter le plus imprévisible du monde et vous êtes la meilleure armée du game. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un biceps bleu aberrament titanesque pour étendre notre domination. Aujourd'hui, les amis, est un jour très particulier. Pourquoi je suis de retour à Marseille pour faire mon oral de master. Donc c'est-à-dire que là, concrètement, dans 2 heures, je fais un oral que je n'ai pas encore préparé. Et après ça, vu que grâce à vous, à force de faire des récaps, je me suis amélioré, ma didactique s'est améliorée, ma prosodie s'est améliorée, je vais valider mon oral avec brio. Et le 6, on me donne mon bout de papier et je pourrai vous révéler mon plan ultime de la muerte grâce auquel mes perfs vont littéralement se satelliser et transpercer Jupiter, tellement elles vont aller loin comme ça, tu vois. Ça, c'est mes perfs, elles vont faire comme ça. Mais en attendant, les amis, moi, il faut que je prépare mon oral. Là, j'ai plus que 2 heures. Ça a été avancé d'une demi-heure. Alors que j'ai déjà pas le temps, que je viens de sortir du train. Ça fait 2 jours que je dors 4 heures. Je suis en mode, laissez-moi dormir. J'ai fait des squats hier, je suis en sueur. Mais attendez, je vais vous montrer un petit peu l'idée de génie que j'ai eue. Là, dans les commentaires, vous me direz si vous pensez que les profs ont kiffé, mais c'est sûr qu'ils vont kiffer. Genre, si vous regardez bien, là, vous voyez que ma présentation, j'ai fait un petit site. Donc là, bonjour et tout. Si on clique sur en savoir plus, ça nous emmène directement sur ma chaîne YouTube. Bon, on voit pas, mais là, il y a clairement marqué YouTube. C'est ma chaîne YouTube, les amis. Hop. Mais je pense pas que je vais leur montrer ma chaîne YouTube dans la vidéo. Et ensuite, genre, littéralement, j'ai fait plein de petits modules comme un blog avec tous les trucs. Quand tu cliques, t'as des images qui s'affichent, etc. pour illustrer mon propos. Et ça, les amis, c'est un site internet que j'ai créé spécialement pour l'oral. Donc je pense qu'ils vont kiffer. Ça va être incroyable. En attendant, là, voilà. Là, je me mets en mode focus, en mode deep work, en mode full flow, tu vois. Genre, essayer de trouver le flow et je m'entraîne comme ça pendant 2 heures. Ensuite, je récupère la caméra et je vous filmerai mon arrivée à la salle où je m'entraînais depuis le début avec le bataillon d'exploration. C'est mes amis qui m'ont accompagné à ma première compétition au championnat de France. Je les ai pas vus depuis 4 mois et franchement, j'ai trop hâte de vous les montrer parce que c'est vraiment une partie de ma vie, le bataillon d'exploration et c'est pas fini. Donc, hâte de vous montrer ça tout à l'heure. Allez, let's go!
Bon. Les amis, un arc est quasiment fini. Ça y est, j'ai fait mon dernier oral, l'oral pour valider mon master. J'attends maintenant les résultats, mais avec les sites que je leur ai sortis plus la présentation, je pense que le doute n'y est pas. Bientôt, j'irai récupérer mon diplôme et je pourrai vous révéler le plan ultime, le projet KO que j'ai mis en place de manière à exploser mes perfs. J'en ai parlé un petit peu sur Insta, j'ai teasé vite fait. Là, ça fait 4 mois que je dors en moyenne 5 heures par nuit, vraiment, sur la proc de Paul tous les jours. Quand je renseigne le sommeil, je renseigne 5 heures. C'était carrément plus soutenable. Mon corps était en train de se décomposer de l'intérieur. Donc, même si les perfs montaient, c'était uniquement grâce à votre soutien et grâce à la force mentale. Parce que, honnêtement, là, je suis en train de crever de l'intérieur. Donc, plus qu'une semaine de travail et je vais enfin être libre. J'aurai 2 semaines de vacances et ensuite, bah, je reprendrai le travail. Faut bien gagner sa vie et puis je compte pas rester chez mes parents. Je m'en voudrais un petit peu de rester chez eux. Donc, hâte de vous dévoiler ce nouveau plan. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu inhabituel. Donc déjà, le récap est super court. Et en plus, je filme la conclusion le matin. Il fait pas nuit ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que hier, je suis rentré à 17h. À 17h30, je me suis endormi. Je me suis réveillé ce matin à 8h40. Ah, c'est incroyable, hein. Quand je vous disais que ça faisait 3 jours que je dormais 4h, etc., c'était réel, hein. Sachez que je ne mens jamais. Donc là, c'est simple, hein. Jeudi, vendredi, samedi, j'ai dormi 4 heures ces 3 jours-là et j'ai dû enchaîner un SBD RPE8 samedi. Donc je peux vous dire que j'étais KO et en plus j'ai des douleurs qui sont revenues au Sartorius, notamment à cause de la mauvaise récupération. Hein. Tu peux pas déglinguer ton corps, dormir 5 heures et 4 heures et espérer aller bien, tu vois. Genre c'est simple, tu dors 5 heures au lieu de 10 quand t'es un sportif en une semaine. En une semaine, ton taux de testo chute de 10 à 15%. Alors imagine sur 4 mois. Frère, je suis à moins 10 000 de testo là. C'est horrible. Et pourtant, j'ai quand même pris du muscle et des perfs. Donc là, j'ai qu'une seule hâte, c'est de faire comme Rock Lee, tu vois. Il y aura Paul, ce sera Guy Sensei, il me dira, vas-y, lâche les poids. Je vais lâcher les poids comme ça. T'auras la concu qui va me regarder en mode... Il croit vraiment qu'en ayant 5 heures de sommeil en plus, il va nous défoncer. Et là, bam, je vais arriver et je vais mettre des gros coups de pied dans Gaara. Sauf que les Gaara, ce sera la concu, tu vois. Père. Mais bref, du coup, dans la séance de ce week-end, j'ai essayé de temporiser au max. Le squat se porte bien. Alors, bah écoutez, bonne surprise. Ça explose. C'est très, très, très bon signe pour la suite. Voilà, j'ai des très gros objectifs au squat. Il est temps de vous montrer ce que je réserve pour cet exercice. Au bench, je me suis arrêté à 167,5 parce que bah ça montait bien, c'était bien. Et je pense que si j'étais monté plus, j'aurais overshoot. Et de toute façon, le setup, j'y étais pas habitué, j'étais mal à l'aise, etc. Donc, c'était pas la peine de se foirer pour rien. Voilà, on a été conservateur. C'est pas dans mes habitudes, mais parfois, il faut faire ce genre de choix. Et ensuite, au soulevé de terre... Là, c'était d'un choix, c'était réel. J'ai décidé de ne pas monter plus haut que 2,45 pour vraiment ne pas me faire mal aux cuisses. Là, j'ai une semaine de répit. Cette semaine, ce sera léger, RPE7. Donc, je laisse du repos à mon corps de manière à pouvoir revenir encore mieux. Parce que tout simplement, si je continue à pousser sur des douleurs trop longtemps, bah, je risque de m'atomiser et j'aurais rien gagné alors que j'arrive à l'aube d'une ère nouvelle. Au moment où je vais pouvoir mettre en place le projet KO et tout exploser, ce serait vraiment dommage de se blesser. Donc 2,45 et de toute façon la technique était dégueulasse. Hein. J'ai fait un appui cuisse, j'ai voulu tirer la barre avec mon dos au lieu de pousser dans le sol. Donc voilà, le slack était mauvais. Ma technique de tirer le slack en plusieurs fois, vous voyez, je gigote un peu. Là j'ai juste gigoté, le slack était nul. Donc j'étais vraiment fatigué, j'avais pas beaucoup mangé, etc. Pas dans des bonnes conditions. Donc on a été conservateur. Voilà, on a été conservateur, mais les amis, sachez que là, j'ai vu les championnats de France. Les championnats de France étaient en même temps que mon SBD. Je ne sais pas si vous les avez vus. Si vous les avez vus, dites-moi dans les commentaires le match que vous avez préféré. Dites-moi, genre, quel match vous a fait vraiment avoir des étoiles dans les yeux et vous avez dit, waouh, ah ouais, là, c'est chaud, là. Là, je suis motivé, là, j'ai vraiment envie de tout donner.
Et moi, tu vois, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de matchs, notamment les 74 et les 93. Le 83, un peu prévisible. Donc, Ciel qui devient champion, incroyable, incroyable. Et en 93, bah, que des grosses, grosses barres, franchement. Paco, Rico, Guillaume et le Réunionnais, j'ai oublié comment il s'appelle, celui qui a un bench énorme. Vraiment, assez impressionnant. Donc, ça m'a extrêmement motivé. Je me suis rendu compte que il y avait quand même énormément de travail, mais que ça me paraissait réalisable. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, mais on commence à se rapprocher d'un niveau national en open, et ça fait vraiment plaisir. Car les amis, l'objectif l'an prochain, c'est pas de se qualifier dans le groupe B, c'est vraiment de faire les championnats de France dans le groupe A. Là, il y a aucun doute là-dessus. Voilà, je veux être dans le groupe A. Rico, c'est celui qui m'a fait commencer le power, les amis, et si jamais je peux me retrouver contre lui dans le groupe A, ça serait juste incroyable. Incroyable de se retrouver face au mec qui m'a fait commencer et un jour de le battre, c'est l'objectif forcément puisque je veux battre Solori, donc je devrais battre Rico. Mais ouais, un jour le battre, ça serait incroyable. Donc les amis, voilà, là moi je suis plus motivé que jamais. Je vais aller au taf quand même. Ce soir, je vais envoyer une grosse séance qui sera filmée pour le récap de mercredi. Si jamais vous faites une sèche ou une prise de masse, je vous souhaite bonne chance dans votre épopée. Je vous souhaite bonne chance également pour les qualifs France, car j'imagine que c'est l'objectif de nombreux d'entre vous. Si vous vous qualifiez pas, bah c'est pas grave, ça arrive. Continuez de tout donner dans cet objectif, ça prendra le temps que ça prendra. Mais bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça va bien se passer. Ciao !